C'est parti pour le gâteau semoule. Une fois, j'ai à peu près réussi, alors aujourd'hui, on verra. Voilà, j'ai mis plus que prévu, parce que je vais en donner. C'est vieux, ça. Hein? Hein? Mais par contre, le caramel, la dernière fois, je l'ai fait, c'était du béton. C'est pas le repas des pauvres, ça? Si, mais c'est bien, ça. Moi, j'ai mis ma... Je vous mettrai les... La recette. Moi, j'ai doublé, hein. Je vous mettrai la recette normale, hein. Le lait, il est à chauffer. Je vais mettre le sucre. Moi, j'ai pris du sucre blanc parce que j'ai que celui-là. En fait, il est bien dissous. Bien sûr, la quantité de sucre, moi, j'ai mis moins comme d'habitude, hein. Après, c'est à vous de voir si vous aimez le sucré ou pas. Mais par contre, j'ai oublié mon liquide de vanille. Bon, c'est pas grave, je fais sans. On verra, c'est bien chaud. J'attends encore un peu, après je vais mettre la semoule. La semoule fine pour dessert. Enfin, pas la semoule à couscous. Hein. C'est un paquet rouge. Attendez, je vous montre au moins le petit dessin que j'ai coupé. J'ai mis dans un bocal. Là. Semoule fine, qualité supérieure, 100%. C'est un paquet rouge. Là, j'ai bien placé le trépied, je trouve que c'est bien, là, je l'ai mis. C'est juste calé dans un coin, regarde, maman. Il est bien calé, là. Oui. Maman, je fais les... Oui, désolé, je fais les légumes, là. Comme ça, ils sont... Ouais. Naturellement. Là, je peux te donner un coup de main, après. Non, ça va, hein, c'est... Quand j'ai fini, je finis ça. C'est pas mal fait. Moi, je pense que c'est assez chaud. Donc, je vais... Je vais éteindre. Voilà. Voilà. Après, ouais, on voit encore. Je vais mettre la semoule. Bien sûr, moi j'ai doublé. Hein. Ah, mais c'est quoi ce truc là? Un morceau de bois là qui m'arrache le. Hop. Et je mets tout ça là-dedans. J'attends que ça ait aussi. Tranquillement. La semoule va se dissoudre et ça va être tout épais. Là, pour l'instant, tout va bien. La dernière fois, j'ai fait le caramel. Oh my god, c'était dur. C'était bon. Mais par contre, ça a été dur. Du coup, je sais qu'il faut mettre des cuillères à soupe d'eau. Donc, je vais faire comme ça. Pour une fois, je vais l'essayer. Je vous promets rien pour le caramel, mais là, ça va. Moi, je pense que ça devrait aller. Vas-y, c'est moi qui fais. Ma mère, elle est... Elle fait les légumes des courses. Vous aurez déjà vu la vidéo. Ça épaissit. Après, je mets sur petit feu. Juste le temps que... Voilà. Et puis après, je vais mettre les œufs. Là, je vous mets la recette simple. Qui est pour la quantité que... Voilà. Que je mets sur deux, ça devrait être bon. Sauf que moi, je l'ai doublé parce que je vais le faire dans ce moule-là. Et comme il est quand même imposant, vous l'avez vu. Donc, je vais faire là-dedans. On est plusieurs personnes. Hein. Je compte moi. Attendez. Alors, moi, si j'en mange un petit bout, vite fait, parce que je pas... On est 6. Ouais, à peu près 6. 6, 7, tout dépend si mon frère aussi vient, je laisse un morceau. Donc voilà pourquoi je fais un grand dans ce moule-là. Bon, je ne fais pas tout le temps. Hein. Ouais, pas mal. Bon, parce que ça fait quand même des sacrées quantités. Hein. Comme c'est week-end.
Florent, il aime bien ça aussi. La dernière fois, il en a fait la... Ça commence à épaissir. Je vous reprends après quand c'est un peu plus épais. Voilà, c'est un peu plus épais. Je l'ai mis à chauffer. Hein. Parce que ça, ça, c'est un peu plus épais. Maintenant, je vais mettre hors de feu et je vais mettre les œufs. Je vais l'éteindre. Hop. Par contre, les œufs, il faut que je fasse vite parce que comme la matière est chaude... Tu veux que je t'aide? Ça va. T'as fini? Ouais, je peux pas les épluger, je parle de... Allez, et on se dépêche. Mais je fais petit à petit. Hein. Mon bras, il n'est pas aussi rapide. Hein. Mon bras, c'est pas un fouet. Hop là! Faut se dépêcher hein, parce que l'œuf, il va cuire sinon... Après, j'aurais pu le battre avant, mais j'arrive. Ils sont gros, hein? Ouais. Et comme je fais une grosse quantité, je ne te dis pas, mes biceps... Oh, my, c'est spritz. Ma mère, je l'ai vu. Je fais à la main, je fais à la main, je fais à la main. Mais tu veux que je le fasse? Non, ça va, regarde. Ah, ils sont gros, le jaune, hein? Ne vous méprenez pas, je suis en train de fouetter. Hein. Ne pensez pas à autre chose. Hein. Comme la pub. Pour cette pub-là. Ouh, j'ai une crampe. Voilà. Tu vois? Et bon, j'ai pas de gousse de vanille ou vanille liquide, j'ai oublié. C'est pas grave, on peut faire ça aussi. Hein. Je vais mettre une petite pointe de fleur d'oranger, ça comme est-ce qu'il veut. Toi, ouais, j'ai bien mélangé. Ouais, c'est jaune. J'ai encore du biceps, t'as vu? Ouais, c'est jaune. Voilà. Ça va s'épaissir un peu plus en refroidissant. Voilà. Celui-là, il est fini. On va le laisser. Et on va faire le caramel. Et après, il ne faut plus toucher. Bien sûr, moi, j'ai mis moins. Pour vous dire. Je vais faire ça. Ça. Voilà. J'ai pris le sucre brun et après c'est pas trop je mets de pareil l'eau. Que le sucre blanc, mais après hop. Tu comme dis de l'eau dedans. Oui, comme il y a de l'eau, ça va. Ça colle pas trop.
Moi j'ai mis 6 cuillères à soupe, hein, un peu 3 cuillères à soupe. Ouais. Après sucre brun, je ne sais pas si ça fait la même chose, mais bon. Écoutez, je vais remettre les sacs du sucre brun avec ce qu'on a à la maison, pas vrai? Tout ça a l'air d'aller, hein. Mmh. Je ne suis pas une pro, caramel, ça par contre, c'est pas mon truc. Hein. Même Florent m'a dit c'est assez complexe et tout. Hein. Après, c'est du brun, il n'a pas caramel sur les côtés. Donc c'est peut-être différent. Hein. En route, parce que la dernière fois, j'ai pris du blanc, c'était pas pareil. Hein. Voilà. Mais ça a l'air d'aller. Voilà. Bon. Après, on a ça à mettre dedans. Hein. Ça va épaissir encore plus quand je vais le cuire. Ça, que l'eau chaude, ça fond. Oui, mais j'ai de l'eau. En tout cas, ça durcit moins vite que quand vous ne mettez pas d'eau. Je sais qu'il y en a moins qui n'étaient pas partis. Regarde. Ah oui. C'est ça la cuillère. Bon, hop là, Véronique. Hein. On me voit. Ouais, on me voit. Allez. Il en reste, c'est pas grave, je mettrai dans les petits ramequins. Voilà, j'ai rempli les trois ramequins et j'ai mis jusqu'en haut. J'ai réussi à tout vider. Donc maintenant, ça part au four. Voilà, voilà, 180 degrés, 30 minutes au four. Ça ne dit rien au four. Attention au mur. Regardez le sourire. Ouais, attention au mur, sinon le mur il va tomber. Ah, ça, c'est quelque chose, quelqu'un qui va nous prendre le pain. C'est à toi, je l'ai dit pas à moi. Mais j'ai pas dit, j'ai dit à toi, je l'ai dit. Du coup, les petits ramequins, j'avais pas de caramel parce que j'ai mis là-dedans, mais je savais pas, je pensais tout rentrer. Mais c'est pas grave, on a fait sans, c'est très bien aussi. Et ouais. Franchement, il disait 100 g de sucre, donc ça faisait 200 g de sucre qu'il fallait mettre dans la semoule. Moi, j'ai pas mis, j'ai mis que 60 grammes, donc j'ai bien. Et franchement, je préfère, là, c'est ni trop sucré, juste ce qu'il faut. Hein? Mais c'est pas bon quand c'est un peu trop sucré. Non, il y en a qui aiment le sucre, si chacun son truc, c'est bon, donc c'est pas bon. Il y en a qui en ont besoin, le sucre. Hein? Chacun ses goûts. Hein, hein. Ben, j'ai dit, hein. Maintenant, on va faire une recette facile, rapide, en 5 minutes chrono. Oui. Tu verras, c'est tout bête. Avec tes là. Avec tes knackis. Je sais pas où t'as mis le rouleau. Le rouleau, il est là-bas. Avec le papier, avec le machin enroulé. Le rouleau là-bas. Je sais plus s'il est en haut ou en bas. En bas, je crois qu'il est. C'est ce que j'ai ramené pour la pâte, pour couper. Non, c'est le truc là que tu roules. Ah, il est là-dedans. Le blanc. Depuis le temps qu'on l'a, on l'a servi deux fois. Ouais, on n'a pas beaucoup servi celui-là. Donc il y a deux pâtes grisées, prenez la pâte que vous voulez. Hein. C'est notre pain de midi. Ah bon, pourquoi on mange quoi? Bah oui, on mange quoi? Tu vas faire tes crêpes comme tu as fait avec les saucisses à couper dans le four comme les apéritifs. Voilà, t'as tout compris, c'est déjà tout, je n'avais pas recommencé. Là-bas, il y a un couteau si tu le veux. Oui, parce que je ne voulais pas trop salir de la vaisselle. Hein? Et j'ai pris ceux-là, ils étaient moins chers, tu vois. Comment faisait-il? Ça, vous le faites, hein, il y en a pour 2 minutes même pas, cette recette-là. Il n'y a pas plus basique. Hein, proposer. Franchement, là, il n'y a pas plus simple. Hein. Avec une pâte. Et un petit paquet de saucisses knacky. Bon, fumé. Bon, moi j'ai pris 2 pâtes. Hein. Et voilà, deux articles. Avec 2 ingrédients. Oui, oui, oui. Voilà. Je vais te prendre la planche, maman. Ça tient maintenant, hein? Oui, elle tient. T'as vu, hein? Elle tient. Ça tient. Ouais, je suis un homme, bien. Moi, hein. Ouais. Un homme, moi. Ouais, un homme. Bon, faut les carrer, alors on va faire avec ça. Je me retiens. Je voulais les faire en rectangle, vous savez. Mais bon. Du coup, je ne sais pas comment. Du coup, j'avais dû prendre des pâtes rectangulaires, vous savez, comme ça vous coupez. Voilà, ça vous fait.
Là, c'est pas en rectangulaire. Donc, c'est pas grave, hein. On la route. Non. Parce que j'ai pas envie de gasper ma pâte feuilletée. Hein. Et si tu le fais comme ça. D'accord, les filles. Comme, si tu le fais comme ça. Mais parce qu'il faut que je la replie, c'est pour ça. Oh, on s'en fout de l'esthétique, hein. De toute façon, c'est fait. Un truc rapide, pas cher, hein, on parle pas d'esthétique. Ou alors si tu coupes la moitié et on fait des petits. Non. Non, c'est trop petit comme t'as fait. Voilà. Non, je vais là parce qu'on me voit pas. J'ai rien dit. C'est parce que je suis trop loin. Mais alors. Ouais, parce que ça aurait été mieux des. Mais j'ai pas envie de gaspiller ma pâte, moi. Alors, c'est bien, rapide 5 minutes, mais tant que j'ai réfléchi, il y a 3 heures qui sont passées. Ah, tu coupes en... Alors, tu coupes en haut. Non, parce que moi je voulais faire en, comme ça. Oui, mais ça fait, oui. On s'en fout de la forme. Franchement, tant qu'on a mangé dans la, sur la table, pas cher. Hein, moi, je fais ça moi tout seul, je suis très bien. Mais Véro, mais pas trop plus sur la pâte. Mais mets toutes les saucisses dessus et tu fermes et puis tu mets. Non, n'importe quoi. Attends, je réfléchis. Là. Réfléchis pas trop. Non, c'est bon comme ça, je peux faire un peu plus petit. Même. Ça fait rien si là c'est pas. Truc. De toute façon, on va la plier. Hein, parce que j'en foutre. Bon, écoute, Véro, on va essayer. Hein. On est d'accord, les filles. Voilà. On met une saucisse et on plie. Allez, salut. Bon, l'esthétique, hein. Parce que j'aurais dû prendre des rectangles. Après, on peut les faire en. Comme ça en triangle, mais je voulais faire un dessin avec ça en fait. C'est pour ça. Et tu fais les saucisses. Maintenant, je te pose une question. Et tu fais les saucisses entières et si tu coupes les saucisses en deux et tu fais ça comme ça, non? Parce que là, il faut replier la pâte, c'est pour ça. Ah. En fait, attends, je te montre. Il faut que je fasse des petits dessins pour quand tu replies la pâte. Je vais enlever ça. Ici, c'est pour ça que je voulais ce machin-là. Tu fais comme ça. Oui. Tu fais des petits dessins là, des petites lanières. Bon, vous pouvez prendre un couteau, hein. Moi je prends ça parce qu'on a ça. Hein. On a ça depuis la nuit des temps. Voilà, à peu près. C'est la moitié. C'est le tiroir qui a utilisé ça pour ton dessin. Et après, tu mets de la saucisse. Bon, moi je vais en mettre deux parce que finalement, une entière, ça fait un gros morceau. Mais je te dis, hein, si tu coupes un peu. Ouais. Je vais faire comme ça. Vous avez vu? Comme ça. Et après, je le replie. Et je colle les parois. Après, j'ai juste là, ça fait pas rectangle comme j'aurais voulu. Voilà, faut que je mette un peu de jaune d'œuf. Voilà, c'est ce que je veux faire en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Et après, tu fais au four. C'est bon. Ça va gonfler, c'est feuilleté. Tu veux pas mettre un peu de fromage? Non, rien, c'est nature, ça c'est une recette rapide et pas chère. Non, je te demande. Donc on rajoute rien. Pour rajouter. Non, on rajoute rien. Non. Oh, bah alors c'est bon. Voilà. Je vais faire ça. Je vais vous en faire plusieurs et puis après, je vais les. Comment dire, les machins là. Les machins, il faut les beurrer. Alors, les beurrer, les. Les chaunir. Oui, il est ironique. Après, s'ils sont pas esthétiques, on s'en fout. Ah ouais! Toi, ça fait une lignée. Celui-là, il va être plus joli. Parce qu'il n'a pas la. Oui, mais parce que c'est au milieu. Ouais, mais c'est pas grave. C'est moi. Hein. Ça, c'est des bonnes recettes pour quand on n'a pas envie de cuisiner. Et puis. Il sort des fonds de frigo. Faut pas. On est tous dans la même histoire. On est tous pareils. Sauf que voilà, il y en a qui préfèrent se cacher. Bon, il n'y a pas beaucoup de saucisses. Hein. Je vais mettre un peu plus. De toute façon, on a assez de saucisses, on en a 10. Elle nous donne à 10 saucisses, maman. Hein. À nous deux. Hein. Mais ça suffit, ça. Les deux. Mais non, parce qu'elle est grande. Le... Alors, tu aurais dû mieux en voilà. Mettre deux. Mais j'ai mis. Mais voilà, moi, j'aurais dû mettre deux grandes. Voilà. On est d'accord, les filles. J'ai bien travaillé. Bon, voilà, on nous fait un truc pour mettre pavillonner. Que penses-tu de cette recette avec deux ingrédients?
la merde. Voilà. Et ben, comme d'habitude. Moi, la vérité est sortie. Hein. Comme d'habitude. Voilà. Et moi, la vérité est sortie. Hein. Non, mais c'est pas une mauvaise idée. Hein. Et ouais, et avec peu. Voilà. Je la mettrai tout de suite. Comme ça, c'est pas mal, n'empêche. Hein. Depuis le temps qu'on l'a. Boum. Je vous dis pas. Après, on peut faire avec un couteau. Mais c'est plus joli avec ça. Ça fait des dessins. Hop. Je vois si je peux mettre les deux grosses, là. Quand même, elle m'a dit avant de la mettre les deux grosses. Bon, ça fait. Hein, vous avez vu, ça dépasse. On te remettre comme ça. Voilà. Ça me pique au nez. On se demande pourquoi. Voilà, c'est bon. Regarde. Ah oui, t'as vu. Bon, moi, on a gardé le blanc d'œuf hein, pour les trucs. Hein, hein ouais, maman. Oui. On a emmerdé, hein. Non, je n'ai pas emmerdé. Non. Voilà. Pas du tout. Quand on les achète, c'est ça aussi. Ils mettent juste deux saucisses, ils mettent ça dans la pâte et c'est réglé. Je dois les régler. Et ça, on paye 4 balles, 3-4 balles. Oui, oui. Ah, c'est pas donné. Hein. Oh oui. Moi, c'est tout. Donc, je devrais faire un peu les repas, un peu plus. Mes copines, elles vont être contentes. Parce qu'elles recettent tout. Vous avez vu? Alors, franchement. J'ai pas besoin de réfléchir beaucoup. Hein. 3-4 balles, ils auront pu le ventre. Hein. Après, vous pouvez les couper, vous savez, en triangle, là, enfin, vous faites en 4 là. Vous pouvez l'enrouler en forme de croissant avec des petits saucisses dessus, knacker comme ça. Fumer, knacker pour le dos. Hein? Ah, des knocks. Et voilà! C'est des saucisses assassins. Tu vois, mais il nous reste encore ça comme saucisse. Vous avez vu? Il nous reste encore ça. Voilà. 30 minutes, ils ont dit. Oui, mais je. Il est. Il a monté, ça 10, a monté. Tiens, 25 à 20. À 20. C'est à 20. Là, c'est comme saucisse, celle-là. C'est bizarre ta saucisse, non? Oui, elle est un peu tordue, je ne sais pas pourquoi, mais comme je les tripote un peu, alors je ne sais pas. Mais tu t'es gueulasse, toi. T'es écœurant, ça. Moi, je mange plus ça, moi. Moi, je fais autre chose. T'es dégueulasse, là. Ah oui. Petite lamelle pour pas les jeter. Ah oui, t'as pas mauvaise idée. Voilà, je ne sais pas quoi faire parce qu'on est. Là, moi, là, actuellement, on est vendredi. Vendredi. Oui, vendredi. Vendredi, demain et samedi, dimanche, que vendredi. Attention à ce qu'elle dit. Non, week-end. C'est le week-end, alors sinon ça va traîner. Non, je dis rien du tout. Vendredi, c'est vendredi. Ça va traîner après, on va le faire dans Oui, alors je prends ta planche parce que je veux couper un oignon. Ben, tu coupes un oignon. Ouais, je sais. Pourquoi tu cherches? Attends. Tu vas chercher quoi? Je mets une tomate avec parce que celle-là elle est un peu. Ouais, vas-y, moi je coupe, je coupe. Tu coupes? Ah, je mords. Elle est que bêche, hein? C'est que bêche. Elles sont là, oui. Ouais, je partais à juste un peu. Ouais. Je te le pose là. Il y a un star dessus. Ah bon? Oui, mais. C'est comme les boutons, ils disent un star, je sais pas. Ah bon? Bon, je sais pas. On va même pas couper la saucisse, la belle saucisse. Un star. Tu veux de échalote ou un oignon? Échalote, c'est meilleur. Je suis pas compliqué, moi. Moi, je préfère mieux les échalotes. Oignon, ça va aussi, mais. Ça change. Voilà, je les ai coupés. Hop. Voilà. Un, je te zwei. C'est comme tu veux. Et qu'elle est un peu molle, la tomate, là. Hein. Oui, je te dis, elle est un peu. C'est pour ça que je te l'ai donné. Tiens, je te pose ça là. Attends, je te donne encore un. Si tu veux en mettre deux, c'est encore meilleur. Je crois que je vais aussi un peu aiguiser le couteau. Bah, tu t'es bousculé. Attends. Des pâtes au pif. Ah, elle est dehors? Mais oui, elle est dehors. D'habitude, elle n'est pas dehors. Non, je l'ai sorti. J'ai rangé mon tiroir un peu. Bon, c'est pas un aiguiseur comme on aimerait avoir, mais il dépanne bien.
Franchement, pour ce qu'il a, il fait son job. Là, je suis en train de couper l'échalote. Attendez. Parce que on ne voit rien. Hein. Tu peux l'emmener. Voilà. Moi, je bois un peu un verre d'eau. Ben, bois, bois, bois. Fais. Là, c'est le bout. Hein. Non, ça en a besoin. Mais les deux, hein, ça suffit. Mais je n'ai pas pris un café ce matin ou quoi? Je sais pas, moi. Parce que j'ai pris mes médicaments. Mais pas parce que je n'ai pas de poil dehors. Oh mon Dieu, attention, c'est pour ça que peut-être juste pas bien. Ouais, c'est pour ça qu'elle me râle dessus, comme ça, je sais pas quoi. Mais si, je les ai pris. Ah là, c'est encore pire, là. Aujourd'hui, on est vendredi. Hein. Oui, on est vendredi. Parce que comme t'as les jours, alors? Si, il n'y a plus rien dedans. T'as vu, moi aussi, je perds des fois la tête, je sais pas. Ah, peut-être que tu l'as mis à laver, sans que t'as fait attention à la lave-vaisselle, là. Hein, parce qu'avant, t'étais au lave-vaisselle. Alors, ça se peut que je l'ai mis là-bas quand je cherchais un autre verre. Je prends ta verre, puis c'est tout. Voilà. J'ai mis les haricots à manger, mozzarella, une tomate, échalote. Et les saucisses qui me restaient, je les ai coupées, voilà. Et là-dedans. Les yaourts nature. Où il y a le papier. Hop là. Hop. Enlever le papier. Mettre un petit tronc, hein, mettez à votre guise, hein, chacun son truc. Hein. C'est à peu près 2 cuillères à soupe que j'ai mis. Moi j'ai pris un petit ramequin. Il est un peu plus grand le. C'est pas grave. Hein. Après, vous pouvez mettre de l'eau si vous la voulez moins épaisse. Tout dépend de l'air que vous prenez aussi. Je vais arrêter. J'arrive même pas à manger. Moutarde à l'ancienne. Regarde le truc au four. Il est très bien. Voilà. Mettre des épices. Fous-moi. Fais ce que toi tu veux, hein. Ouais. Là, oui, tu vois. Bah, je sais pas, celui-là, il est vide. Ah, oui, la basilic. Un petit peu de persil, j'ai mis un peu de basilic. Ça ira aussi. Voilà.
et on mélange. Et ça remet dans la salade. Et ça, ça peut faire aussi une mayo. À la place de prendre de la mayo, vous prenez de la yaourt crêpée. T'as aussi mis du sel? Non. Et du poivre? Non, je ne mets pas à manger un murat. Presque jamais, moi. Tu n'es pas obligé, hein, si tu veux pas. Donc, un peu de sel. Ça sort pas bien ces trucs là et un peu de poivre. Donc là, des trucs comme ça, c'est dur à sortir. Il n'y a pas beaucoup qui sortent. Voilà. Et voilà, c'est prêt. C'est sorti du four après 30 minutes de cuisson à 180. Ouais, c'est dommage, les autres, ils sont descendus. Ils avaient une boule. Ouais, là, c'est redescendu. C'était tout gonflé. C'est fait pour, hein, c'est un peu... Ouais, c'était tout gonflé. Ils sont jolis, hein. Mais ils sont jolis. Maintenant, il faut attendre que ça refroidit bien. Alors, j'espère que quand je vais le retourner, j'obtiens ce que j'ai envie. Vous savez, le caramel qui coule sur les côtés, enfin, qui n'est pas... Moi, bon, il n'a pas l'air d'être dur. Ça a l'air d'aller. Regardez. Il est joli, hein. On verra ça après, on va laisser refroidir. Résultat, vous avez vu, bon, celui-là, il a une autre forme, puisque comme je vous avais dit, j'avais pas une pâte ronde. Une pâte rectangle, voilà, Véronique. Et ça donne ça, normalement, quand vous les achetez, ils sont comme ça. Bon, voilà les deux autres qui sont au four. On va dire à peu près une vingtaine de minutes. Tout dépend. En fait, ça n'a pas trop fait des tout feuilletés, vous avez vu. Tant bien. C'est vrai qu'une salade, hein, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est aussi joli comme ça, ça ouais. Fait une belle petite forme, voilà. Comme on dit, ça voilà. Change. Une fois que c'est coupé, ça donne... Attendez, je vous casse avec la fourchette. Voilà, ça fait les petites saucisses à l'intérieur. Oh, j'y crois pas. Wow, maman, j'ai bien réussi. Mais oui, je le vois. J'y crois pas. Mais je le vois au téléphone. Oh les filles, j'ai trouvé, j'ai bien réussi. Bon, il y a moins de caramel, t'as vu, parce que normalement ça doit couler. Oui, mais ça fait rien. Trop, parce qu'après, ça c'est sucré aussi. Mm. Regardez-moi ça. C'est joli comme ça. Oh, j'en suis fière. Je ne l'ai pas raté. Oh, je suis contente. Il en faut peur. Ah, il en faut peur. Nani, nana, regardez le milieu et tout. Alors, maman. Attendez. Il s'est réussi, je suis contente. Oh, ça fait plaisir. Elle l'a bien fait. C'est bon, c'est allumé. Voilà, ça c'est les petits. Bon, il n'y a pas deux caramels comme je vous ai dit. Et attendez, voilà. Ça donne ça. Reste comme tu es. Voilà. J'ai pris la relève. Parce que... Mais j'ai à peine mangé maintenant. C'est pour ma goûteuse. Ah. Oh, je suis trop contente, franchement. Ma goûteuse, ouais, elle est jolie, j'avoue, fait franchement. Goûter, elle est jolie. Ouais, je suis contente. Attends. Ça fait un sacré, moi, on est plusieurs. Hortong. Hortong, pardon, mais c'est dégueulasse comme d'habitude. Très bon, hein. Pas trop sucré, hein. Pas du tout. Ah, cool. Très bon, hein. C'est presque mais pas là, sucré. Mais là, il n'y a pas de caramel, par contre. Ouais, parce que j'enlève beaucoup, moi. Là, dans, comme j'ai doublé la recette, il me demandait au moins 200 grammes. Okay, je prends j'ai mis que petit, 60 grammes, moi. Un petit bout. Alors? On en a mangé, je vous assure, quand on était jeunes, moi et mon frère. Oh, qu'est-ce qu'on en a mangé? Depuis, on a été... Je n'en avais plus envie, mais et là, je sais pas, bon, ça m'a pris. C'est pas assez sucré, hein. Fantastique, pas trop hein. Sucré. Ah, cool. Non. Voilà. C'est bon, l'habitude hein. De tirer la tronche, c'était dégueulasse. Comme ça, non, là... Bon, est... ben voilà. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Prenez soin de vous, surtout. Bye hein. Bye. C'est très important. Et soutien à toutes les personnes qui sont malades. Oui. Un gros soutien de notre part. Hein. Oui. Avec le sourire. Ouais. Bisous les filles. Bisous les filles. Et les garçons. Diago. Hein. Diago.